parler encore, comme l'a annoncé tout à l'heure le SWOT, la grande retraite spirituelle et le concert live qui sera donné à Zaroko. Prophète, bonjour. Bonjour, shalom. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Shalom, Oscar, producteur de Radio Sud Bandama. Je suis le prophète Joël Crasso. J'annonce un grand événement dans la région de Lodjoubois. Et c'est qu'à partir de ce soir, aujourd'hui, mercredi 24, nous démarrons une retraite spirituelle qui démarre aujourd'hui et qui finira dimanche 28 à Zaroko. À Zaroko, qui est notre centre de prière de délivrance. À Zaroko, qui est notre centre de prière de délivrance. Donc, il y aura des différentes séries d'événements. C'est que demain matin, nous serons à l'école de Zaroko pour remettre les kits scolaires aux enfants de Zaroko. Nous sommes en train de préparer aussi la relève. Parce que si la sorcellerie éradiquée, il faut amener, n'est-ce pas, éduquer les enfants pour qu'ils deviennent cadres demain. Donc c'est un suivi qui se fait au niveau des Zaroko. Donc demain, jeudi matin, à partir de 11h, nous allons remettre au nom du ministère les dons des kits aux enfants de l'école des Zaroko. Et le vendredi, nous aurons une grande veillée. Une grande veillée, donc tous les soirs, à partir de ce soir, il y aura une retraite spirituelle. Le thème Jésus délivre tous les jours. Et nous allons parler aussi du thème comment maîtriser les esprits des temps, parce que nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année, c'est-à-dire à partir de septembre, octobre, novembre, décembre. Vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Vous venez apprendre comment maîtriser les esprits des temps. Parce qu'à nous, l'Église, que Dieu a donné le pouvoir de lier et de délier. Voilà, nous avons les deux pouvoirs de lier et de délier, mais le problème, c'est qu'il faut avoir la grande connaissance. Aujourd'hui, nous avons une brigade en place et nous luttons contre les œuvres de la sorcellerie. Nous allons expliquer comment détruire les œuvres de la sorcellerie, comment maîtriser notre environnement. Il y aura des sous-thèmes comme ça. Vous savez bien que moi, je suis celui-là à qui Dieu a donné l'onction. J'ai fait plusieurs villages de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, en général, où le Seigneur m'a puissamment utilisé pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Mais c'est mon ministère. Chaque homme de Dieu a son don. Et quand vous lisez la Bible, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 à 6, on dit la diversité des dons, diversité des ministères. Chaque Dieu, dans sa grâce, va spécialiser des personnes dans des domaines. Il faut tomber sur le spécialiste. Si c'est un problème de sorcellerie, il faut tomber sur celui qui est spécialiste en la matière pour régler ton problème. Donc un prophète, ce n'est pas qui veut être prophète, mais un prophète, c'est une clé. Et quand tu rencontres un prophète, il n'y a rien de cause, il n'y a rien à faire. Alors, avec cette retraite, nous lançons aussi la sortie officielle, n'est-ce pas, le samedi à la veille, le vendredi à la veille, une grande veillée, de la prière prophétique. J'ai pris carrément 2 mois en train de préparer cette prière parce que c'est la demande du public. Les gens, c'est vrai que je chante. Vous ne m'avez jamais demandé mais de donner des morceaux ici souvent. Non, je suis leader compositeur, je donne beaucoup de morceaux à des champions, je donne beaucoup de morceaux à la tour Christine. Je suis artiste confirmé, j'ai une carte du RIDA, le RIDA me paie pour le droit d'auteur. Voilà, donc je suis chante. Mais les gens voulaient que quelque chose soit mis sur pied après ça. Donc la prière prophétique, acte 1, nous commençons avec acte 1 qui a 8 minutes, est déjà préparé pendant 2 mois. Nous avons déjà fait l'exprès, nous avons joué ça à Zaroko. Il y a eu tellement de manifestations. C'est que c'est une prière. J'entends des enseignements et je commence à attaquer autour de vous la sorcellerie et tout ça. Et vous sentez déjà des vibrations au niveau des sorciers, les choses. Voilà, ça se tombe. Oui, si, si. Le CD même, je l'ai remis d'avoir ma première réunion de distribution. Le monsieur n'a pas pu prendre le master. Voilà, dès qu'il essaie le master, l'onction tombe sur dans la chaise. Il t'a oublié de prendre le CD, aller remettre ça une autre maison, et distribuer les chrétiens prestigieux, Afrique prestigieux. Donc, ce qu'on dit que moi, je suivais, nous serons là vendredi. Pour, n'est-ce pas, parler un peu de la sortie officielle du CD, qui est acte 1, il y a prophétique. Voilà. Et nous aurons un concert par la grâce de Dieu avec la Côte d'Espino et Désir Champion. Désir Champion est un pasteur, c'est mon fils spirituel. La Côte, c'est mon fils spirituel. C'est des chants même qui chantent mes compositions dans leurs morceaux. Si vous ne le savez pas, ils seront avec moi. Non, ce sera un duo. Nous serons tous trois en train de chanter parce que c'est la sortie de mon album. Mais en même temps, Désir Champion est pasteur. La Côte n'est pas pasteur. La Côte, j'ai commencé, n'est-ce pas, un travail de fond dans sa vie. Et il chante la gloire de Dieu. Nous sommes en train de faire quelque chose en son niveau pour qu'il soit véritablement converti et qu'il soit vraiment engagé dans le ministère. À compte de Jésus est véritablement pasteur, il a une grande église qui dirige en France et au niveau d'Abidjan et Pouvant. Voilà donc il vient m'épauler un peu dans cette retraite spirituelle. Et venez parce que Dieu Jésus-Christ a quelque chose de merveilleux à faire pour vous. Nous autres, nous combattons la sorcellerie. Chacun sa spécialité. Nous, c'est la sorcellerie qui est le mal pour être l'Afrique. Et malheureusement, ce thème-là est mal vu et mal prêché dans nos églises. Parce que pourtant, il y a une réalité, ce qu'on appelle la réalité africaine. Nous, nos problèmes dans l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est ce que les Blancs ont combattu au Moyen-Âge. À partir du 15e, 17e siècle, ils ont éradiqué la sorcellerie, appelé la chasse aux sorcières. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. L'Afrique peut émerger, mais notre seul problème, c'est la sorcellerie. Et il faudrait que nos hommes de Dieu prêchent ça dans nos églises.
Nos problèmes sont la sorcellerie. À 90% de nos problèmes, ce sont les sorciers qui sont la base. Parce qu'il y a une réalité. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel, il y a le monde visible. Notre monde visible dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. Alors s'il y a des blocages, il faut te poser beaucoup de questions. Parce que Dieu ne crée pas des fauriens, Dieu crée des champions. Dieu veut qu'on avance dans une patronne de l'avant. Par contre, il y a des personnes qui sont des sorciers, qui veulent nous lancer de sorts, qui nous empêchent d'émerger. Vous pouvez nous rencontrer, contacter. Heureusement, Dieu merci, nous avons maintenant désormais un cabinet. D'écoute. Voilà, un cabinet d'écoute et de délivrance. Désormais, c'est la demande du public. Nous étions tous à Zaroko, notre base. Mais Zaroko, il reste la base de délivrance. De délivrance. Maintenant, de guérison. Nous avons aussi un cabinet d'écoute et de délivrance ici même, à Diboville. À Diboville, derrière la Saint-Pierre, derrière la Saint-Pierre, au plateau, bien sûr, quartier plateau, derrière la Saint-Pierre, Carrefour, député. Vous venez là, nous allons écouter, n'est-ce pas, vos soucis, et nous allons répondre aux besoins. Si le sorcier à Korogo, nous allons aller le gérer, le délivrer et l'amener à Jésus-Christ. S'il est quelque part là-bas, nous allons le délivrer. Parce que nous, nous délivrons les sorciers. Nous délivrons les sorciers parce qu'ils sont malades. On ne mange pas un être humain, on ne détruit pas. Ils sont possédés par des démons. Et l'Église doit chasser les démons. L'Église ne doit pas être qui condamne. La preuve, c'est que moi, je marche. Dans mon équipe, il y a les 5 sorciers que j'ai aidés aujourd'hui. Je suis aujourd'hui à 4332 sorciers délivrés de mes promesses depuis 2006. Nous avons commencé le combat. Nous sommes à 4332. C'est possible. Nous pouvons délivrer un sorcier. Ce qui est impliqué dans l'esprit des gens, il faut qu'on le tue, le sorcier. Mais tu tues quelqu'un, c'est vrai, même si la Bible même dit de tuer, mais il peut changer. Parce que Jésus-Christ est le médecin et nous sommes considérés comme les malades. Et la sorcellerie est une maladie. Nous pouvons délivrer la sorcellerie. Si vous avez des enfants à la maison, et pris par la sorcellerie, mais arrêtez vos histoires de maltraiter d'enfants, arrêtez vos histoires de maltraiter de maman, papa. S'ils ont fait des aveux, tu ne peux pas les délivrer, c'est pas la peine de les frapper, c'est pas la peine de les choper. Désormais, vous avez un cabinet de coupe. Nous allons eux-mêmes les écouter parce qu'ils sont victimes et il y a eu une initiation, ils ont été initiés. Donc il faut les délivrer. Ils ne sont pas là chez eux à Sokosé, ni à Tikash, ni dans une pharmacie, on n'achète pas. On peut initier quelqu'un. À une seule nuit, la personne peut être possédée d'un esprit de la sorcellerie et quand les sorciers deviennent dégâts, un monstre dans la famille, nous sommes prêts à vous aider. Bah, le cabinet existe. Bah, le contact, je donne le contact rapidement. C'est le 32 76 38 90. Vous notez très bien. C'est le 32 76 38 90 47 07 23 28. Je reçois à partir d'aujourd'hui, tous les matins, de mercredi jusqu'au dimanche. Le centre de coûte vous écoute. Si un problème de sorcier, nous réglons ça. Il suffit seulement qu'il mette mon nez sur lui, je prie pour toi. Tu bouges dans ta maison. S'il y a un sorcier, il commence à parler. Voilà, c'est la grâce que je suis ma vie. Avant de prendre le contact 32-76-38-90, voilà, 47-07-23-28, sont les numéros du cabinet d'écoute et de délivrance du guide spirituel prophète Joël Crasson, ici même à Divo, au quartier plateau derrière la CNPS, quartier député, à mes auditeurs. Hein. Enfin, on va commencer par le cri de guerre et on va terminer par prisonnier la solution. Yeah, 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 Jésus, Jésus. Jésus, c'est une brigade. La gosia ziliwaou. Mon la gosia ziliwaou. Mon la gosia ziliwaou. La gosia ziliwaou. Yé ke ma peuo. Yé ma dodoa. Lunaga la gosio. Affaire à suivre. Merci ce soir. Merci à mes auditeurs. Je vous retrouve encore tout à l'heure pour les amis de communiquer. Je fais rendez-vous à Zaroko pour cette grande veillée et ce grand concert avec le pasteur Dizzy Chanson et la toute respire. Très bien. Okay. Ah, papa, tu dis que tu viens à 5h30, tu viens à 5h30. Si attaque les sorciers.